Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Tente Ma Chance. Aujourd'hui, je vais revenir sur une vidéo que j'avais faite sur PayUp Vidéo, le site qui était similaire à Bucks Money, hein, l'extension que j'avais téléchargée, auquel on pouvait voir des vidéos YouTube et qu'on était payé en rouble. Là, ce site nous paye en dollars directement, d'accord? Et plus que tu vas regarder de vidéos, plus que tu vas gagner, d'accord? Donc, j'ai découvert quelque chose, les potos, c'est que un truc qui m'aide beaucoup, parce que vu que je gagne sur d'autres sites, genre Aviso, qui a aussi des vidéos dessus, donc si tu veux t'inscrire sur Aviso, le lien est dans la description, PayUp Vidéo est dans la description aussi. Le robot pour automatiser tes lectures sera dans la description aussi. Et également, ce que nous allons voir, c'est comment automatiser ton site PayUp Vidéo sur PC ou sur téléphone. Donc moi, pour l'exemple, c'est Android. Donc tu verras l'exemple de automatiser tes vidéos sur Android. Et je peux te dire que ce petit robot, franchement, c'est de la balle. Allez, let's go, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche. Merci à toi, poteau. Allez, c'est parti. Yeah! Donc voilà, les poteaux, c'est parti. Nous sommes sur le site PayUp Vidéo, auquel j'ai déjà gagné 10,64$. Donc c'est super cool, franchement, c'est bien. Tout ça en automatique, sans trop cliquer. Je dis pourquoi je dis sans trop cliquer, parce que tu seras obligé de cliquer de temps en temps, parce que tu as des captcha vite fait. Alors les captcha, je crois qu'ils apparaissent tous les demi-centimes, en fait, d'accord, tous les demi-centimes ils apparaissent. Donc toi, si tu commences, ça sera peut-être un peu moins, mais comme tu peux voir, je suis déjà au level 480 en automatique, et c'est la balle. Donc ici on a YouTube, d'accord, c'est le site, l'onglet YouTube qu'il faudra aller. Je suis déjà à 60 centimes de dollars, et en fait, tout simplement, je ne vais pas tarder sur le PC, là je te montre sur le PC, mais le plus intéressant, ça sera sur un téléphone auquel tu pourras faire, et ça sera un peu moins agaçant que sur PC, parce que là, la méthode que je vais te montrer en automatique sur PC, elle sera un peu moins bien, parce que si tu loupes le captcha et que tu as programmé que ta page se ferme dans 15 secondes, tu seras obligé de regarder une vidéo qui ne sera pas comptabilisée et une autre pour refaire ton captcha, d'accord? Donc ça va être un petit peu galère sur le PC. Il faudra vraiment que tu sois devant ton écran, puis vraiment, si t'es un captcha, là tu peux partir faire un café ou un truc comme ça, tu perds à peu près 10 à 15 minutes. Je pense que toutes les 10-15 minutes, le captcha y apparaît. Et voilà. Et sur téléphone, tu verras que c'est plus agréable un petit peu à faire. Donc là, on commence par le PC. On est dans la section YouTube. Et comme tu peux voir, par rapport à ma première vidéo que je t'ai montré, PayUp Vidéo, j'étais à 0,0019. Là, je suis à 3,1. Donc, on gagne bien plus qu'avant, d'accord? Puisque tu vas regarder des vidéos, plus que tu montes. L'avantage, c'est quand tu regardes des vidéos, tu gagnes des tickets daily bonus tous les 24 heures. Il y a un tirage au sort auquel tu peux gagner. Donc moi, j'en ai eu pas mal déjà, j'ai eu déjà des 5 centimes, 2 centimes, 3 centimes, des trucs comme ça, auquel tu peux gagner de l'argent. Il t'offre de l'argent si tu es tiré au sort. Du coup, voilà, j'attendais un petit peu le tableur qui vient. Donc ici, voilà le tableur. Donc la première place, hein, cette personne a gagné avec 263 vidéos de vues 1$, le prix de 1$. Donc tu les as vraiment, moi je te le dis que tu peux les avoir vraiment. Donc moi, je n'ai pas encore eu la chance de gagner des 18 centimes, des trucs comme ça. Mais regardez, lui, il a regardé que 160 vidéos, il a gagné 18 centimes sur son compte. Il a bien été tiré au sort. 700 places, voilà, vous avez 700 places, 700 tirages au sort. Quand tu regardes des vidéos, donc tu as des tickets à regarder, et voilà, au bonheur, la chance, si tu es tiré au sort pour gagner un plus, un petit bonus du jour. Donc un dollar, ça me fait kiffer quand même, hein. Imagine, tu es tiré au sort, tu as un dollar comme ça, tu es heureux quand même.
Pour une fois que tu as un dollar et tu montreras. Mais bon, c'est pas le truc du moment, poteau. Aujourd'hui, on est sur YouTube, d'accord? On est dans la section YouTube. Auquel je vais te montrer comment automatiser tes vidéos. D'accord? Donc, premièrement, il faudra que tu ailles dans la description pour télécharger Axiona. Voilà, dès que tu as Axiona, tu le lances, d'accord? Axiona. Donc là, j'ai déjà un truc que j'ai enregistré spécial pay-up vidéo, d'accord? C'est mes actions que je fais, donc j'ai juste à remettre ma page comme elle était. Donc voilà, la page s'ouvre de Axiona. Voilà. Donc un nouveau script et je vais te montrer comment il faut faire. Donc admettons, tu t'es mis comme ça la moitié de la page, d'accord? Donc je vais me remettre hop, ici, comme ça. Donc là, je suis à 60 centimes et là, ça me coûte du 0,003331,97. Et il y a des vidéos de 10 secondes, 20 secondes ou plus. Ça peut arriver. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dès que tu es sur ta page là, donc admettons sur PC, tu t'es mis sur YouTube, tu es comme ça, tu rétrécis ta page. Hop, admettons, je vais la mettre un petit peu plus grande comme ça. Voilà, je la mets comme ça. Je ne touche plus à rien, je la laisse telle quelle tant que je vais faire mes actions. Donc là, je sais que je vais faire l'action view. Donc ici, en premier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une pause tout de suite, une pause de 5 secondes. Je mets OK, ma pause, elle est mise ici. Là, ici, dans périphérique, tu vas cliquer dessus. Voilà, tu as une action à éditer. Donc tu vas aller dans la petite ligne de mire. Ici, à côté de pixels et de la flèche verte et la flèche rouge, tu vas cliquer gauche de ta souris et tu vas maintenir ce bouton. Et tu vas le déplacer sur View. Tu fais OK. Donc là, à l'heure actuelle, il va cliquer dessus. Donc là, vu qu'on sait que l'action qu'on devait faire, là, tu peux cliquer réellement avec ton bouton le temps qu'on fait, on prépare le robot. D'accord? Donc la fenêtre, une fenêtre s'ouvre. Auquel il va avoir une vidéo de 10 secondes, vu que c'était 10 secondes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une pause de 5 secondes. D'accord? Donc si tu as un bon PC qui ne rame pas et tout, tu peux même diminuer à 3 secondes, parce que ça va être un clic sur YouTube. Donc là, en fait, c'est plus long à préparer, mais dès que c'est préparé, tu vas voir qu'après, tu es tranquille et c'est nickel. D'accord? Donc là, on attend toujours. Je vais mettre sur pause ma vidéo pour que ça va un peu plus vite. Ah ben non, c'est bon. Donc voilà, pause. Donc dès que tu as fait ta pause de 5, 3 secondes à 5 secondes, tu refais un clic. Le clic, tu peux le mettre n'importe où ici sur le lecteur et tu fais OK. Voilà, ton clic. Donc admettons, voilà, on a cliqué dessus. Donc là, je mets ici, voilà. Ta vidéo démarre. D'accord? Et tu sais qu'il y a 10 secondes, voire 20 secondes de vidéo. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une pause. Le temps de la vidéo, mais je préfère mettre 20 secondes. D'accord? Je vais mettre même 25 secondes parce que j'ai Slice. Si vous me suivez, j'ai l'extension Slice et ça se redirige. Ça se redirige vers YouTube. Et qui dit YouTube, qui dit Slice, qui me fait gagner aussi de l'argent. Donc là, c'est pas compté comme ça, mais c'est normal. C'est parce que j'ai été long à préparer ma vidéo. Donc, tout simplement, vous allez voir au bout de 25 secondes. Ici, on va fermer. Donc là, 25 secondes, OK, la pause. D'accord? Donc ici, la vidéo est finie, tu es sur YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un clic pour fermer cette fenêtre. Hop, et on va faire OK. Donc là, on a fait ça, on va fermer la fenêtre, l'action qu'on demande. D'accord? Donc ici, ça n'a pas été pris en compte, mais c'est normal. Normalement, dès que ça passe à un autre, tu vas voir ton solde qui va monter. D'accord? Donc voilà, là c'est fait. Donc au moment que tu as fait un clic là, je pense, je crois que j'ai rien oublié. Le clic view, le clic YouTube, la pause, le clic pour fermer. Et tu as juste à mettre aléa interne, aléa 01. Donc l'action va se répéter à la première, donc à la pause de 5 secondes. Voilà, là, poteau, tu as fini l'automatisation pour payer vidéo. Donc ça dure un petit peu plus longtemps en vidéo, mais c'était pour que tu vois bien les trucs.
trucs à faire. Donc, c'est à toi de personnaliser. Si tu n'as pas vraiment slice aussi, toi, tes vidéos, s'ils durent 10 secondes à 20 secondes, tu peux le laisser. Bah, de toute façon, tu as des vidéos de 20 secondes. Donc, moi, je te conseille de mettre à peu près du 25 secondes aussi, parce que de temps en temps, tu as un captcha à remplir. D'accord? Donc, là, dès que tu as fini, tu pourras appuyer sur le rouage. Ici, tu as un rouage. Donc, moi, il se trouve là, mais tu peux le retrouver en haut. D'accord? Le petit rouage rouge, tu vas cliquer dessus et tu n'as plus rien à faire, poteau. Là, sauf si ça rame, ça va merder, mais sinon, regarde, ça va cliquer tout seul dessus. Tu as juste à faire ça, programmer ton truc, et tes vidéos vont aller toutes seules. Donc, comme là, vous voyez, le clic a déjà été fait et ça rame. Donc, c'est pour te montrer que la souris va tout seul aussi, hein. Donc, voilà, ici. Donc désolé les potos pour avoir l'ordinateur qui rame, mais bon, si tu as compris le concept, ça va être comme ça. Donc comme tu peux voir, ça ferme tout seul et ça va recliquer sur la vidéo tout seul. Voilà, dès que tu as fait ça, tu vas voir que ça va être nickel chrome, sauf que de temps en temps, tu vas avoir un captcha. Donc c'est en anglais, donc il y aura des moments, ça va être écrit Apple, donc c'est la pomme, il faudra que tu cliques avec ta souris sur la pomme, et après voilà, si tu es rapide à le faire, tu n'as pas à l'arrêter. Maintenant, si tu n'es pas rapide, que tu vois un captcha, ça dure 30 secondes, tu as 30 secondes pour le résoudre, tu peux fermer ce robot le temps que tu remplisses le captcha et tu rappuies sur le rouage rouge pour relancer ton automatique. Donc, compte à peu près du 10 minutes à un quart d'heure pour que les captchas viennent et après, tu es tranquille. Voilà comment on automatise pay-up vidéo sur un PC. Maintenant, les potos, je vais vous expliquer comment automatisé sur un téléphone poteau. Allez, let's go. Donc c'est parti les poteaux. Vous pouvez voir que je suis sur Google Chrome sur mon Android, d'accord? Hop, ici, voilà, je vais le mettre au milieu et que je suis également sur PayUp Vidéo. D'accord? Donc si je le fais manuellement, je peux regarder mes vidéos. La vidéo se met sur une deuxième page. Là ici c'est du 20 secondes, comme tu peux voir. Je clique hein, avec le doigt sur mon téléphone pour laisser passer ces quelques secondes. Là manuellement, je serai obligé d'appuyer sur le petit 2 là pour effacer ma page, d'accord? Pour retourner au tableau de bord. Et pour que ça soit pris en compte, l'argent que je gagne. Donc là, pareil, vous voyez, quand il y a un moment, il y a un laps de temps, c'est rouge, c'est normal, c'est que tu n'as pas lancé la vidéo. Mais là, j'appuie sur le petit 2, comme je vous ai dit ici. Voilà, et je ferme ma page pour retourner sur mon tableau de bord. Voilà, ici. Donc vous voyez qu'il y a des manipulations toujours à faire, à rechanger de page, et c'est gavant sur un téléphone. Donc vaut mieux faire encore sur PC, parce que tu as ta souris, tu peux fermer juste à côté pour revenir et tout. Là sur le téléphone, c'est vrai que manuellement, si tu vas à la deuxième page, tu refermes. Tu retournes à la première page, tu as une perte de temps pas possible, et c'est chiant. Donc nous allons voir dans cette vidéo, avec le téléphone Android, comment automatiser ce truc. Pour que je te montre l'exemple. Donc je ne te montre pas où je vais aller, mais je vais te montrer comme ça avec les mains devant la caméra que le téléphone va aller tout seul. Donc voici l'exemple tout de suite là en direct. Donc voilà, poto, j'ai lancé mes trucs et regardez qu'est-ce que ça fait. Regardez bien, j'ai mes mains là, le téléphone est là. Je ne vous mens pas, regardez, c'est bel et bien ici, d'accord? Je ne peux pas vous mentir, j'essaie d'éloigner. Voilà, donc désolé, mais regardez l'écran. Et voilà, vous voyez, tant que je vous parle et tout, mes mains sont là, mon téléphone est branché, d'accord? Je me suis mis en Wi-Fi pour pas niquer mon forfait mobile, d'accord? Donc je suis à Wi-Fi de la maison. Et vous pouvez voir que ça fonctionne nickel tout seul. L'avantage avec ce robot, regardez, hop, il me demande une note. Ça, c'est pareil, il faut le faire manuellement. Mais l'avantage, c'est que ton téléphone va vibrer
Donc même si tu fais pas attention à ton téléphone, que tu laisses tourner comme ça, là, comme là, à partir de là, je suis tranquille, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, d'accord? Mais ton téléphone va vibrer, ça veut dire que tu as un capture à faire. Et ça, c'est super bien. Donc c'est dans cette vidéo que tu vas voir comment procéder à cette automatisation de vidéo sur ton téléphone. Donc vous voyez que ça va super vite. Je n'ai pas besoin d'aller sur la deuxième page de la vidéo pour la fermer, pour revenir manuellement. Et ça soulage super bien les doigts. Et vous pouvez constater que les vidéos de 10 secondes ou 20 secondes, ce petit robot détecte les 10 secondes et 20 secondes. Donc là, c'est pas mal. Par rapport au PC, tu ne peux pas faire ça. C'est s'il n'y a que des vidéos de 10 secondes, et puis une fois de temps en temps 20 secondes, comme là, ici. Eh ben, au bout de 10 secondes, ta vidéo va être fermée, alors que ça a duré 20 secondes. C'est pour ça que je te conseille de mettre 25 secondes sur le PC, comme ça au moins si tu as une vidéo de 20 secondes, elle est prise en compte. Et si tu as un captcha juste après les 20 secondes, tu as 5 secondes pour soit fermer le petit robot pour remplir ton captcha, ou si tu es rapide de le remplir tout de suite. Voilà. Mais comme tu peux voir, tout est automatisé sur cette application que je vais te montrer tout de suite. Allez, let's go poto. Assez parlé, on passe à qu'est-ce qu'il faut faire pour automatiser ton téléphone. Donc les potos, nous voici sur Android. Donc j'ai bel et bien regardé, ça ne marchera que avec des Android. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont des Apple iOS, hein. Ça ne marche que sur Android. Donc l'avantage d'Android, elle est puissante quand même. Et vous allez voir que ben, c'est facile à installer si vous faites comme je vous dis. Donc là, ici, tout simplement, ouais, ça on s'en fout, les alertes de Coinbase, j'aurais dû les arrêter, mais c'est pas grave. Vous allez rechercher ici. Alors vous l'avez soit dans le lien de la description, ou soit que vous faites recherche dans le Play Store, mais le lien vers le logiciel est directement dans la description de cette vidéo. Donc vous avez à télécharger macro Droid. Là, ici, macro Droid. Voilà. Et vous allez prendre celui-ci. D'accord? Donc là, j'ai une mise à jour à faire. Donc je vais en profiter pour la faire. Alors, regardez bien attentivement. D'accord? Donc au moment que tu as téléchargé ben, ce petit truc, hop, on va aller là-bas, on va l'ouvrir. Voilà, vous aurez une interface comme ça. Donc c'est un petit peu comme Actiona, hein. Vous pouvez mettre des blocs d'action, exporter, importer, ajouter un macro de l'assistance, forum, les variables, les zones, enfin bref, ça je vais pas t'expliquer car je suis en train de m'apprendre dessus, hein, pour faire justement des variables, des blocs d'action, des trucs comme ça, dernière macro ouverte ou je sais pas quoi. Donc à partir de là, poto, dans la description, toujours au niveau du téléphone, donc tu as le site Macro Droid à télécharger, d'accord? Donc le lien est dans la description, et en dessous tu as un lien à cliquer. Donc ce lien, tu vas cliquer dessus et tu vas télécharger tout simplement un fichier. Qui va être un macro, ça s'appelle un macro. Ce macro est déjà préenregistré pour PayUp vidéo. Donc je vais te montrer un petit peu le truc. Je vais aller en gestionnaire des fichiers si je le trouve. Oui, je vais aller dans fichiers. Voilà, vous allez atterrir, vous allez dans vos gestionnaires de fichiers, d'accord, et vous allez voir dans download ici. Download, et ce fichier va s'appeler PUV-V-1.22.macro. Vous allez cliquer dessus, vous allez choisir le type de document, d'accord? Voilà. Ici, vous allez ouvrir avec, vous faites plus avec Macro Droid, ici. Vous l'ouvrez avec Macro Droid, voilà, et votre fenêtre va s'activer, comme ça. D'accord? Donc là, ils disent macro activé. Donc n'hésitez pas à sauvegarder votre truc avec les trois petits points. D'accord? Vous faites activer la macro. Donc vous allez retourner là. Vous allez cliquer sur macro ici.
Et là, vous pouvez voir que le PUV 1.22 s'est mis sur MacroDroid. Tout simplement, vous allez activer ça. Donc, je vais vous montrer que je n'ai pas. J'ai juste un Power Mirror d'ouvert. Hein. Je n'ai pas de Chrome ou quoi. D'accord. Le gestionnaire, bon, ça, je peux fermer. D'accord. J'ai MacroDroid et un Power Mirror. Je n'ai pas de Google. D'accord. Donc, tout est intégré dessus. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer ce bouton. Donc, si là, c'est pas activé, activez-le aussi. D'accord. Et vous allez activer celui-ci. D'accord. Donc, je répète, vous allez dans Accueil. D'accord. Au moment que vous avez été ouvert le fichier avec MacroDroid, ça va être comme ça. D'accord. Avec le fichier qui est intégré. Ici, vous allumez en premier. Vous retournez sur le macro. Et vous allez activer ceci. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Directement sur le site PayUp vidéo. Et là, les poteaux, c'est magique. Il se fait automatiquement. Donc, les captures restent manuelles. Mais ça t'aide vraiment. Tu gagnes un temps fou à cliquer et à fermer les pages. Surtout, comme je t'avais expliqué ici, d'accord? Tu gagnes un temps fou ici à faire. Regardez, ça ferme tout seul. Ça détecte les 10, les 20 secondes. C'est un truc de malade. Vous voyez la rapidité que c'est juste avec ce logiciel et ce petit fichier à télécharger. Donc tu peux le retrouver dans la description, dans la section téléphone Android, télécharger MacroDroid et ce fichier. Donc tu vas dans tes gestionnaires de fichiers, dans Download, t'appuies sur le fichier PUV et tu l'ouvres avec MacroDroid. Alors tu le mets en document. Je répète, c'est en document, c'est pas une vidéo, c'est pas un audio, c'est tu l'ouvres en document avec Macroid. Et là, poteau, tu actives ton Macroid en haut à droite, tu vas dans Accueil, là normalement tu es dans Accueil, tu vas dans Macro, et Macro, ton fichier va être là, tu as juste à activer les deux petits boutons si c'est pas déjà activé, mais tu verras que ça va aller directement sur ton site. Donc là, comme tu peux voir, je gagne en automatique sans rien faire, j'ai juste à attendre les captures en fait. Sans forcer. Et pour l'arrêter, c'est tout simple. Hein, tu appuies sur ton petit carré comme ça. Tu vas dans Macroid et tu arrêtes tout de suite l'action en haut. Voilà, ici, tu l'arrêtes tout de suite. Tu vas dans Accueil pour bien sécuriser et tu le fermes aussi. Maintenant, si ça ne marche pas, les poteaux, c'est qu'il faut accepter toutes les autorisations. D'accord? Tout ce que tu peux voir en autorisation, il faut accepter. C'est là, je vais fermer. Hop, paramètres dans tes applications. Il faut vraiment les autorisations, d'accord? Paramètres supplémentaires, applications. Voilà, tu vas dans applications, tu vas dans autorisation. Voilà, donc gestionnaire du démarrage automatique. Admettons, regardez, Macroid, il est activé. Voilà, j'ai 8 autorisations que j'ai fait, regardez. Voilà, sauf changer la connectivité Wi-Fi, mais tout le reste est émis. Lecture du service SMS, donc ça je suis pas obligé, ça refuser. On n'est pas sur du SMS, on est sur vraiment des actions. Mais vous pouvez voir que j'en ai changé la connectivité Bluetooth. Donc ça c'est pour faire des actions plus tard, d'accord, avec Macroid. Mais t'es pas obligé de les mettre, mais c'est plus afficher sur l'écran de verrouillage si tu veux, raccourci de l'écran d'accueil, changer la connectivité, afficher machin. Tu regardes, de toute façon ils vont te le dire. Souvent tu vas avoir une petite fenêtre de dire accepter. Essaye de trouver toutes les autorisations à ce que l'application peut avoir. Et essaye régulièrement de l'activer et tu verras si ça fonctionne. Normalement, si ça fonctionne sur moi. Avec mon téléphone Android, ça va fonctionner avec le tien. Voilà, poto, comment automatiser ton téléphone Android. Et maintenant, j'ai juste vu que mon fichier est déjà intégré, hein, il faut le sauvegarder, hein, tu le sauvegardes dessus. Mais vu qu'il est intégré, j'ai juste maintenant à aller sur Macroid. Regardez, hop, Macroid. Alors, je sais que mon macro en bas, hein, sur l'onglet Macro, il est activé. Sauf en haut, il n'est pas activé. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier? Hop. Je vais mettre Accueil. Je vais faire ça.
je vais faire ça. Donc ici, n'oublie pas, hein, si c'est ici, s'il n'est plus là, ben tu le reprends. Hein. Afficher la dernière activation, tout ça, ouais, bref. Enfin bref, tu sauvegardes vraiment, tu sauvegardes. Si tu vois que tu n'arrives pas à le sauvegarder, eh ben, au moment que c'est écrit tous les actions, là, ton fichier action, au pire, tu vas dans la première case, tu vas attendre une seconde. Mets-le en deux secondes et après tu appuies sur sauvegarder, tout simplement. Donc là, il n'y a pas à toucher. Voilà. Ici, donc, ici, tu l'actives, d'accord. Ici, tu l'actives, tu t'en vas dans macro. Et tu actives ton fichier, regarde, hein, je ne fais rien, donc là j'ai appuyé sur le mauvais, je vais activer en haut, voilà. Et il se met directement, tu n'as même plus besoin d'aller dans Chrome pour rechercher ton site. Le site est déjà intégré dessus et tu gagnes directement. C'est pas merveilleux les potos. Voilà, voilà comment automatiser sur un téléphone Android. Paye-up vidéo, et c'est grâce à ça que tu pourras peut-être gagner aussi du cash dans la journée au tirage au sort, parce que tu auras regardé beaucoup plus de vidéos et aussi gagner vite fait, regarder vite fait tes 800 vidéos dans la journée si tu as le temps, même si tu en regardes 300, 350, c'est déjà pas mal, hein, pour avancer au début, et tu verras que tes gains vont s'accumuler et tu gagneras beaucoup plus, comme tu as pu voir que j'ai gagné déjà 10$ depuis le temps que je le fais. Donc au début je le faisais manuellement, et là vu que j'ai trouvé cette automatique sur le téléphone, franchement je suis nickel. C'est-à-dire que je fais mes vidéos sur Aliso, hein, je fais mes vidéos sur mon téléphone avec PayUp Vidéo sur mon téléphone, donc j'ai même pas besoin de le regarder, hein. Je sais que ça va vibrer dès qu'il y a un capture. Donc je le fais manuellement, puis après c'est reparti, et let's go, et comme tu peux voir, regarde, 20 secondes, le robot le détecte qu'il y a 20 secondes, donc il va pas l'arrêter avant, pas comme un PC. Voilà poto. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, moi je te dis à la prochaine, c'était Je Tente Ma Chance, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche et partager cette vidéo pour faire du pognon les potos. Allez, let's go, c'est parti, merci à toi de lâcher ton like. Tchuss. Yeah.